Des faits. La réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, ils écrivent n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Comme vous tous, militants sérieux, je lis une grande partie de la presse, comme tous les amis qui sont à cette tribune, je décortique la presse parce qu'on ne peut pas faire de politique sans lire la presse, y compris celle des adversaires. Eh bien, dans Le Monde, par exemple, vous avez plusieurs fois par mois, des gens qui écrivent, monsieur le directeur ou monsieur le rédacteur en chef, j'ai lu votre article tel jour sur tel sujet, je peux vous dire que ce que vous écrivez est faux. J'étais à Vichy, j'étais à Londres, j'étais à Alger. À la date dont vous parlez, il s'est passé ceci et cela. Et la rédaction du Monde passe en entier la lettre du gars qui annule totalement ce qu'avait écrit ce journal. Bon, quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois après, ils reviennent sur cette même question, mais ils ne tiennent absolument pas compte de ce qu'avait écrit ce monsieur et qu'ils ont publié. Ils tiennent absolument à faire passer leurs idées qui sont des idées fausses. Voilà.